Salut à tous, c'est Caroline de la chaîne Caroline R pour la chaîne des box. Je vous présente le contenu de la Gambette Box de janvier. Bon, déjà j'ai craqué sur la présentation, on dirait une première de couve hyper tendance, fun. Elle va aller direct dans mon étagère en déco. Il est écrit horoscope, pourquoi vous allez aimer 2018. Tout y est, j'adore. On ouvre la première partie. Nous avons la partie édito. Avec « On ne vous souhaite pas une bonne année, on vous souhaite une année ébouriffante ». Une photo avec l'un des deux collants et puis toute une tenue en fait. Et nous avons trois jolies parties. Une fois la box ouverte, on retrouve une nouvelle photo avec un look adapté avec le collant de la box. Et bien évidemment, on retrouve les deux collants au centre. Le premier collant s'appelle « Patin », c'est un 50 deniers. Il est gris chiné avec des petits pois noirs adorables. Il nous le présente avec une petite jupette très courte qui est d'ailleurs très mignonne, des baskets. Donc effectivement, c'est très à la mode de mettre des baskets avec une jupette. Moi, je pense que je vais le mettre avec des bottes montantes noires. Ça va être hyper canon et un petit short en laine noire également. Donc voilà, il est comme ça. On voit, il est quand même pas mal opaque hein, et on distingue tous les petits pois en velours, on dirait. C'est ravissant. Je passe au deuxième collant. Il s'appelle Gadin. C'est un 30 deniers. Il est noir et nous avons comme de la dentelle tout le long avec des ouvertures pour laisser passer un petit peu la lumière. Alors, quand j'étire la matière, on se rend davantage compte. C'est vraiment le genre de collant que je peux mettre très facilement avec pas mal de tenues et ça habille tout de suite la jambe, je trouve. Et pour ce deuxième look, donc on nous le présentait toujours avec des rollers basket et une petite, ouais ça fait super bien, une petite jupette côte en jean. Gros coup de cœur pour les box à venir et notamment celle de février. Ils mettent à l'honneur Jane Birkin et Serge Gainsbourg que j'adore. Donc j'ai vraiment hâte de voir et je pense qu'il y aura, enfin, j'espère, des photos. Et bien voilà les amis, c'est tout pour la présentation de la Gambette Box de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais un gros bisou et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !